1888. Il est pianiste, il travaille pour divers mécènes des petits princes qui sont en Russie, il se promène un peu, il est un peu un précepteur. Et il écrit un piano quatre mains, il écrit donc deux personnes sur un même piano, il écrit la petite suite. Et immédiatement, l'idée qui lui vient est que ce soit une petite suite qui soit dansée, une petite suite chorégraphique. Et en effet, le premier mouvement que vous entendrez est une barcarolle, c'est-à-dire c'est un mouvement ternaire qui donne un peu l'imitation de l'eau, on fait la connotation avec les canotiers, tout ce qui se passe à nos gens à l'époque, tout ça, c'est vraiment juste. Donc ça sera le premier mouvement qui s'appelle En bâton. Et ensuite, il y a un deuxième mouvement qui s'appelle Cortège, et qui appelle immanquablement à des poètes comme Alain Fournier, qui était un écrivain qui écrit Grand Vol, ou bien des poètes de cette époque-là qui sont à la fois symbolistes, mais en même temps qui commencent à faire des choses beaucoup plus travaillées au point de vue psychologique et du réel. Et en effet, donc, ce second mouvement est un cortège, et on retrouvera 10 ans plus tard à peu près, quand il éclaira Nuage, dans Fête. On a en effet un cortège qui arrive de très loin, et qui traverse la Fête, et puis ensuite qui disparaît. Et c'est également la Fête dans le manoir enchanté du Grand Meul. Ces histoires qui sont dans l'histoire, les histoires dans l'histoire. Donc ça va être le deuxième mouvement, Fête. Donc c'est un mouvement très coloré. Et ensuite on a le troisième mouvement, c'est un menuet. Et là, celui-ci rend hommage à Watteau, le peintre français du XVIIe siècle. Donc à ce côté un peu désuet, mais si français, il donne vraiment cette notion du menuet à trois temps, dansé, avec toute sa finesse. Donc ce sera le troisième mouvement. Et enfin, il va terminer avec le ballet. Donc le ballet, c'est en fait tout le monde se réunit et on est tous on fait des ronds, on danse. Voilà, donc ça sera le final. Donc, je vous souhaite une bonne écoute de la petite suite de Claude Debussy, qui a été orchestrée par son ami Henri Bussert, qui était un musicien éminent, un très bon orchestrateur. Et j'ai eu la chance de connaître son petit-fils, hein, tout à fait par hasard, en jouant justement de Debussy. Il s'est présenté à moi et après. M'a parlé de son grand-père. Donc, il était une personne vraiment d'une grande délicatesse. Et c'est pourquoi Debussy a totalement acquiescé au fait qu'on orchestrera ainsi sa petite suite qui était au piano 4 mains. Je vous souhaite une bonne écoute de la petite suite de Claude Debussy.
française, après la littérature Sartre, durant la guerre, a préparé le mouvement symboliste, et elle sera découverte par un grand poète qui s'appelle Rimbaud, qui est une trajectoire fulgurante, et qui en parle immédiatement sans dire rien, qui va le publier dans le journal. Et ainsi, Marceline va commencer à être publiée, éditée et connue. En plus, Marceline est chanteuse. Donc c'est sa trajectoire de vie. Donc ce petit quartier Notre-Dame perdure jusqu'en 1944. Et le 11 1944, Douai est situé à l'embranchement de plein de voies de chemin de fer. Et à ce moment-là, 300 bombardiers, accompagnés de 100 citoyens, dont 400 appareils, des avions et des papiers, se dirigent vers la gare de village de Douai pour la détruire. Et ce même jour, à 15h, celle qui va devenir ma mère, 12 ans plus tard, est avec une jeune fille. Elle fait les courses pour ses parents. C'est un très bel été, l'après-midi pour se lier. Il est environ 15h30. Elle monte dans la nuit, la seule fois dans le ciel. Et bien dans cette pensée, il faut que j'atteigne la rue souterraine qui est sous la Bazarre, juste à côté du quartier Notre-Dame, parce que ce souterrain-là, il est sûr. Le problème, c'est que les avions commencent déjà à bombarder, elle n'y arrivera jamais. Donc, une dame d'un carreau, il fait signe de rentrer, elle peut sembler rentrer, elle va rentrer sur la carte. Ça dure 5 minutes. Quand elle voit qu'elle remonte, les deux dames, un futur maire, et puis c'est une dame, la place d'armes, rasée. Et puis, elle suit un petit hôtel de l'eau, famille du 17e. Il reste une petite maison, juste à côté de la place d'un hôtel, c'est où il est dans une maison de la mort. Et les autres dames, elle va là. Et quand la fumée est ici, on voit la statue. Donc on a la sacrée innocente. Tout le monde est mort de ce grand avril, 400 morts, tout le monde n'a qu'un survivant. Mais il reste un signe pour les Tunisiens, pour les familles de la maison Marceline, et il y a la statue de la Vierge Marie qui est restée debout. Tout ça pour dire que Marceline, toute sa vie, a été en perpétuelle contradiction avec son temps. À une époque, on était raccourci très rapidement, on parlait de croyance, elle va écrire dans ses poèmes sa croyance, sa foi. Elle va transcender sa mère, pour être une femme, elle va transcender son père, qui franchement n'était pas quelqu'un de très très bien, mais elle accepte comme ça, elle accepte d'avoir comme ça. Donc c'est son père, c'est comme ça. Donc c'est vrai que c'est un son des hommes, elle va écrire de magnifiques poèmes pour celui-ci. La mère est dans les cieux, les pauvres dans les lits. Le poème commence comme ceci. Je vous souhaite une bonne écoute de quand je pense à ma mère, de Marceline des ans d'un mort, qui va être interprétée par Vanessa Fouquet, soprano, Isabelle Joanne, mezzo-soprano, et Adina Menti, alto. Bonne écoute.
interpréter des extraits de Gabriel. Gabriel, vous savez tous que c'est un archange. Celui qui annonce, en général, quand Gabriel apparaît, parle, on dit c'est la voix de Dieu. Et souvent, on entend en rouge par les peintres. C'est un ange hyper puissant. Angelus Domini, nuntiat Mariae. L'ange du Seigneur annonça à Marie. Elle concepit l'Esprit du Saint. Elle conçut Saint-Esprit. C'est un énorme contraste. Dans toute cette annonciation, dont on va vous lire des extraits, je me suis appuyé dans mon livret sur beaucoup de textes du Cantique des Cantiques, qui est donc dans l'Ancien Testament. On ne sait pas exactement à partir de quel moment il a été écrit, ni par qui il a été écrit. Ce qui est sûr, c'est qu'il concerne un dialogue entre lui et elle, le deux principes, qui peuvent être interprétés par un homme et une femme, par un principe masculin et féminin, par Dieu et l'humanité. En tout cas, c'est une rencontre d'amour. Ça fait partie des invisibles. Ce qui les relie tous les deux, c'est l'amour. Donc, de ce poème, vous allez d'abord entendre quatre pièces solistes. La première, c'est Ista est columba mea. C'est ma colombe. Perfecta mea. Ma toute parfaite. Ça va être la première pièce. Donc, il va être chanté à Vanessa, à Coloratour, et Isabelle, en médecine. Ensuite, vous allez entendre Oléum, c'est-à-dire l'huile, en fait, l'huile d'onction. Ça va être la seconde pièce qui va être chantée par Aviva. Donc c'est l'onction divine, en fait, qui tombe sur quelqu'un. Quelqu'un, en fait, a... Oui. La personne vraiment qui va parler pour tous, simplement, qui amène l'amour, qui amène la joie. Hein, c'est Bobby dans Que ma joie demeure Jean Giono, c'est le Christ. C'est quelqu'un différent des autres, une personne différente des autres et qui apporte du bonheur. Ça peut être votre enfant à un moment qui fait quelque chose, qui dit tiens, non, je passe, il se passe quelque chose. Oléum, l'onction. Deuxième mouvement par Aviva, en solo. Et ensuite, vous allez avoir un troisième solo, c'est « Tota pukraes Maria »,« Tu es toute belle, Marie ». En fait, c'est la beauté de la personne à un moment dans sa vie, un moment de jonction de sa vie. Et elle est toute parfaite, elle est comme on souhaiterait, soit les personnes. Donc « Tota pukraes Maria »,« Tu es toute belle, Marie ». Ça va être la troisième pièce, donc. Et vous verrez qui se compose en fait de deux parties. Une partie avec l'orchestre à cordes, puis une partie avec des petites en contrebasse et le solo de la maison. Et enfin, on terminera avec la cité céleste qui descend du ciel, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et qui descend sur terre. C'est-à-dire, en fait, c'est l'avènement du bonheur, du parfait, c'est le Shambhala tibétain, c'est l'arrivée du bonheur, du paradis sur terre. Ça sera la troisième pièce qui parle de la descente de cette Jérusalem céleste. Vidi sanctam civitatem Jerusalem novam. J'ai vu la cité nouvelle de Jérusalem, descendentis de cielo, qui descendait du ciel à Deo, d'auprès de Dieu. Donc ça sera la quatrième pièce qui clôra donc les quatre petites pièces inspirées par le Cantique des Cantiques. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute de ces pièces. Et tout le monde donc chantera à la fin dans Vidi Sanctam Civitatem Jerusalem. Donc vous avez les deux dames en rouge au centre qui commencent. Ensuite vous avez l'ange bleu à droite, Marie. Et puis ensuite vous allez avoir l'ensemble des dames aussi qui chantera tout à la fin. Et Isabelle fera aussi en rouge. Le solo. Voilà. Je vous souhaite une bonne écoute de ces quatre petites pièces.
du Cantique des Cantiques. Ils sont
s'en va au voyage, elle s'en va voyager dans sa piscine. Et vous entendrez un thème qui avance, qui marche. Et ce thème, c'est elle s'en va au voyage. Donc, elle voit des oiseaux, elle voit des choses, une jeune fille. Et puis elle se rappelle qu'en fait, elle va pour aider quelqu'un d'autre, pour aider sa cousine. Donc ça lui revient. Et à ce moment-là, elle sait que ça, ça va la presser. Et toi, tu as parlé avec ton chef, cela, c'est ce besoin de aider l'autre, ça la presse, ça l'oblige à reprendre son chemin et aller voir sa cousine Elisabeth. Et ton chef, c'est une pression aussi nous de transmettre cet amour pour pouvoir aller l'aider autour de nous. Pas tout seul, il faut aider les autres. Donc, elle reprend son chemin à ce moment-là. Et à chaque fois qu'elle fait ses interventions, tout le monde chante en ce moment-là. Quand la revanche au début, quand on va la rappeler, elle dit attention, là, tu en as compris, tu te promènes, tu vois des belles choses, et jamais chanté chez elle, elle est contente, jamais chanté chez elle, tu vois des belles choses, les oiseaux, tout ça. Et puis là, on la rappelle à la fin. Il y a une chimie du début, c'est-à-dire depuis le texte, qui vient, ce qui arrive, il y a un moment donné, elle rappelle pour dire il faut y aller. Là. Elisabeth, il faut que tu ailles aider l'autre. Voilà. C'est ce message d'amour. Et donc à la fin, ça, tout à la fin de l'annonciation, il y a un Ave Maria qui est chanté par tout le monde. Et entre temps, il y a la puissance de l'incroyable, la puissance de l'invisible, que vous expérimentez ici, même si on ne peut pas exceptionnellement, mais vous ne voyez rien que nous, et vous ne voyez pas ce que nous jouons, et vous l'entendez très bien. C'est invisible, et vous ressentez, comme l'amour vous avez ressenti avec une personne entre vous, cette chose est invisible. C'est cette chose-là que j'ai essayé de transcrire. Vous êtes une bonne écoute de l'annonciation. Thank you.
c'est les œuvres.